réalise des formations et des aides pour les vignerons, mais pas seulement pour les vignerons, puisque comme la viticulture se développe de plus en plus, on se dit qu'on va avoir besoin de main-d'œuvre. Donc l'idée, c'est de créer des formations et de pourvoir de la main-d'œuvre pour les futurs vignerons. Donc la vigne connectée, on a l'avantage maintenant d'avoir énormément d'outils qui sont connectés, donc ne fût-ce que les stations météo. Les stations météo sont connectées, donc les stations météo nous donnent les informations à toutes les 5 minutes. Et à ces stations, on va connecter également des AOD, qui sont des aides à la décision. C'est des algorithmes qui vont calculer en fonction des maladies par rapport au pourcentage d'humidité, par rapport à la température, et qui vont nous donner des alertes avant d'avoir les premiers signes de la maladie sur les feuilles. Il va être prévenu journellement des informations concernant la pluie, concernant la température, l'hygrométrie et également les attaques qu'il est susceptible d'avoir sur son vignoble, que ce soit tout ce qui est maladie cryptogamique. C'est de montrer le panel de produits qu'on a à disponibilité des vignerons.